L'équipe de l'AS Police est le grand vainqueur de la 7e édition du tournoi de l'amitié. Une victoire qui a été acquise en seconde période. À la pause, l'AS Police et l'AS AD de Salfalao étaient à égalité sur un score nul vierge de 0-0. À la reprise, l'équipe de l'AS Police plus entreprenante ouvre le score sur une belle frappe qui ne laisse aucune chance au portier de l'AS AD de Salfalao. Menée, l'équipe de Salfalao tente de revenir au score, mais bute sur une défense bien organisée de l'AS Police. Les policiers vont même aggraver le score sur pénalty pour le 2-0. Organisé pour renforcer la cohésion sociale entre les jeunes de la ville de Bobo-Dioulasso. Le tournoi de l'amitié offre également un cadre d'expression footballistique et de partage des valeurs de l'amitié entre les jeunes dans un contexte de sécurité difficile. L'objectif est vraiment atteint, car vous avez vu, c'est une très belle finale qui s'est jouée. Les équipes ont joué du beau football, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu aussi du manquement entre les joueurs. Donc on peut dire qu'on est vraiment satisfait. Inch'Allah, je pense qu'avec la volonté de Dieu, si Dieu nous donne longue vie, et nous pensons être toujours à ses côtés pour l'accompagner au profit de la jeunesse de Bobo-Dioulasso. L'équipe de l'AS AD de Salfalao, classée deuxième, reçoit un ballon, un jeu de maillot et la somme de 150 000 francs CFA. L'AS Police, vainqueur de la 7e édition du tournoi de l'amitié, repart avec un jeu de maillot, un ballon, la somme de 250 000 francs CFA et le trophée de la victoire.